Et salut à tous, c'est Sky, on se retrouve dans ce nouvel épisode de Sonic Generation et oh là. Un petit instant. Je règle juste quelque chose, hein, vite fait. Voilà. J'ai mis le timer en route. On peut y aller. C'est parti. Donc, nous sommes à Ocean Palace. Alors, étant nostalgique des musiques de Sonic Heroes. Bof, bof, hein. Oh! Oh, Machao! Oh, Mochao! Reviens! Oh, je vais y arriver. Et merde, non, j'y arriverai pas. Et merde! T'as le niveau qu'on galérait tant à faire quand on était gamin sur Sonic Heroes. Et maintenant. Maintenant, on le voit dans Sonic Generation, c'est plutôt cool. Qui se souvient avoir fait des wall jump avec Sonic ou Shadow au Ocean Palace, quoi? Qui s'en souvient? Enfin, on s'en souvient tous, enfin, on a bien joué à ce genre de jeu. Regardez! Il y a les vieux robots! Les véritables robots! Vous vous souvenez de ces petits machins orange? Sonic Heroes, bordel, c'est le meilleur jeu de 2003. Parce que c'est sorti en 2003 ce jeu. Et honnêtement, moi je trouve que pour moi c'est l'un des meilleurs Sonic. Par contre, putain, cette plateforme me saoule. Non, honnêtement, il était bien Sonic Heroes. Le fait de récolter les émeraudes pour ensuite affronter le véritable boss final. Eh bien écoutez. Oh, mais c'est pas possible ça! Mais monte, bordel de merde! Ça me saoule! Quand tu loupes une plateforme plusieurs fois d'affilée, ça me saoule. Par contre, le remix de Ocean Palace, non, je suis pas trop pour. Hein. Oh non, c'est pas vrai. En tout cas, qui se souvient d'avoir vu de l'eau là-dedans, quoi? Pas dans le palace, en tout cas. Hein. Bah, il y en avait autour, mais pas dedans, quoi. Il y avait un truc là-haut. C'est bon, j'ai eu. C'est bien, c'est pas comme dans Sonic the Hedgehog 4, c'est vraiment différent. Dommage que Sonic the Hedgehog 4 avait complètement foiré parce que honnêtement je le trouvais plutôt bien parti. Le 1 c'était plutôt bof. C'est vrai qu'au niveau des pièges mortels du 1 c'était un peu n'importe quoi. Surtout les pièges mortels du 2 quoi. J'ai trouvé le jeu horriblement dur. Hop. Hop là! Pile poil au bon moment. Ah le soleil! Oh le canon! Ça faisait tellement longtemps! Wow! Bonjour toi! Putain, ah! On se souvient tellement de ça! Ah, pour les nostalgiques de Sonic Heroes, vous êtes servis! Et honnêtement, moi je suis content! Ah non, franchement. Ce niveau est cool. Franchement. Avec Green Hill derrière. Non, mais c'est magnifique. Green Hill Ocean Palace. C'est les tout premiers niveaux de Sonic Heroes. Ah, mais je parle tout le temps de Sonic Heroes parce que c'est l'un des meilleurs jeux. Normal, quoi. Par contre, le remake de la musique, non, je suis pas trop fan. Hein. Je préfère encore l'ancienne. What? Ah ouais, cache! Non, tu vas te calmer, toi. Hein. Wow, merci, dauphin. Bah, vas-y.
Putain, on se rappelle tellement de ces ventilateurs qu'il fallait monter avec Knuckles. Vous vous souvenez là où il fallait que Knuckles, Tails et Sonic se donnent la main pour que Knuckles puisse faire monter ses amis à travers le ventilateur. Putain, qu'est-ce que c'était. Oh merde. D'accord, je me suis fait exploser, très bien. Non, franchement, c'était cool, hein, honnêtement. Et puis Sonic qui faisait sa petite tornade qui permettait de monter les tuyaux. Non, c'était cool, honnêtement. D'accord. Et merde. Ah oui, mais ça one shot en fait. D'accord. Putain, on entend tellement peu la musique. C'est calme. Ah, c'est tellement casse-couille ça. Non. On va passer par là. J'aurais bien voulu passer par haut, mais le jeu il m'a dit nope. Tu n'iras pas. Ah, vous savez, le niveau où vous deviez prendre Knuckles pour exploser des... Ah oui, je me rappelle de ça. La fameuse roue. Oh, Knuckles devait péter des statues. Et merde. Et merde. Non. Oh, d'accord. Mais attends, mais... L'autre, elle vient à toute vitesse et moi, j'ai même pas le temps. Dépêche-toi. Bon, bah voilà. Hein. Ah ouais, là, c'est vraiment dur. Hein. Au niveau des roues, ouais. C'est vraiment dur. Bah, il y a un peu de difficulté, mais pas énormément, quoi. Peut-être essayer de prendre l'autre chemin. Parce que dans Sonic, comme ça, il y a toujours d'autres chemins. Merci de me donner ça en retard. Ah oui, d'accord. Bon. Je déteste l'eau. Bon. On va essayer de le réussir cette fois. Dépêche-toi. Mais j'ai pas le temps d'y aller. Si, c'est bon. Tiens. Là, c'est plutôt simple. Là. C'est bon. Qu'ils arrêtent de me saouler avec ça. Hop là. Ah, ok. Ça servait à rien de monter là où j'étais, en fait. Vas-y. C'est bon, on a le temps de sortir. Et non. Les robots sont quand même plus intelligents que dans le Sonic Heroes par contre. Ça, on s'en rappelle, hein. Ça fait remonter des souvenirs. Le meilleur jeu Sonic sur PS2, c'était Sonic Heroes, les gars. Sonic Heroes. Sonic Unleashed encore, ça peut aller, mais... Plutôt sur P... Non, c'était sur PS2 aussi, mais... C'était plutôt pour la Wii, en fait. Hop. Ah, les tortues, on s'en rappelle. Que de souvenirs dans ce jeu.
Oh non! Ouais. Je me demande si j'aurais pas plutôt essayé de passer de l'autre côté, mais je sais pas en fait. Oh non, pas ça. Putain, j'ai gagné du temps par rapport à tout à l'heure. Bon, en même temps, tu diras, quand on connaît le niveau, c'est plus facile. Oh putain. Par contre, le jeu va me saouler avec ses vibrations jusqu'à la fin, quoi. On va pas se faire chier, on va passer par là. Oh putain, là j'aurais pu y aller, quoi. Il y a des bulles! Putain, mais il me laisse même pas y aller, quoi. D'ailleurs, je me suis toujours demandé, c'est quoi la différence entre ces bumpers jaunes et les bumpers rouges? Ah, les fameuses roues! Non! Ah bah... Non! Non! Oh! Yes! Allez, c'est bon. Voilà, j'en étais sûr qu'il allait y avoir le Gold Ring. Enfin, le Gold Ring, c'est pour le grand Sonic. Et le petit machin, le panneau, c'est pour le petit Sonic. D'ailleurs, je me suis demandé... La transition entre le petit Sonic et le grand Sonic, ça s'est fait à quel jeu? Pas Sonic Génération, non. Ce jeu-là fait justement remonter le petit Sonic. Mais le grand Sonic, il est apparu quand? Parce que j'en ai aucune idée, en fait. Ah, c'était Seaside Hill. Ça, c'est un véritable niveau de Sonic Heroes. Pour moi c'était plutôt le... Non, Seaside Hill, c'était pas du tout ça. Pour moi, c'était le Ocean Palace. Hein. Ils se sont trompés. Les sauts sur le mur seront dans le prochain acte. Ah, je m'en rappelle. Comment c'est? Ouais, ça c'était différent. Maintiens X pour faire un turbo. Merci pour ton intervention inutile. Oh. Il est toujours là pour faire le tuto celui-là. Ah! Il y a la musique! C'est pas l'original, je crois. Hein. Presque, c'est presque l'original. Ah, on s'en souvient, non, de ça? Là, c'est vraiment Seaside Hill. Ah, fuck. Bon. C'était le temps où Sonic ne connaissait pas encore l'attaque téléguidée. C'était le temps où il était encore accompagné de Knuckles et de Tails. C'était le temps où il y avait plusieurs campagnes au lieu d'une. C'était le temps où il y avait peu de personnages. Bref, c'était Sonic Heroes, quoi. Et c'était aussi le temps où Sonic ne connaissait pas son turbo. Ok, bon. Bah ça va, c'est plutôt simple. Oh, j'ai loupé. Et merde, je suis retombé tout en bas. Ah! C'est hyper simple en fait. C'est vrai que le turbo ça aide beaucoup. Je vais où? Ah ok, je peux me déplacer là, mais what the fuck? What? Attends, mais ils ont mélangé les deux musiques. La musique de Ocean Palace avec la musique de Seaside Hill. Mais... Ils ont fait un petit remake à ce que je vois quand même. Alors, c'est par là. Tombe pas comme une merde. J'adore cette musique. Ça, c'est une vraie musique de Sonic Heroes. Si je pouvais le faire, je l'aurais fait le jeu, hein, mais bon, ma manette, elle est pas compatible.
Je l'aurais fait. Il est super ce jeu. En plus, Sonic Generation reprend un petit peu tous les personnages de Sonic Heroes. Excepté Blaze, je sais pas d'où elle sort. Non! Oh le débile! Bon, je peux profiter plus longuement de la musique parce que bon, après il y a de nouveau des niveaux de jeux Sonic que je ne connais pas. Ah mais moi Sonic c'est surtout... Bah Sonic Heroes quoi. Oh fuck! Je devais appuyer sur L1 pour aller à gauche et sur R1 pour aller à droite et j'ai appuyé deux fois sur L gauche en fait, sur L1. Ah merde, mais j'ai appuyé là, sans déconner. J'ai appuyé. Bon. Zéro vie, c'est ça? Ah non, une. Bon, essaye au moins de faire quelque chose. Yes! Oh non! Oh putain! Oh, choqué, déçu. Je suis tombé comme une merde. Allez! Ouais! Bon bah c'est loupé. Ah, mais ça sert plus à rien parce que si je meurs, c'est fini. Quoi? Bah attends, what the fuck? Non, 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 non! Mais t'es con, Sonic, t'es con, mais c'est pas possible! T'es con! Pas demandé d'aller là-bas. Le problème c'est que pour qu'il se retourne c'est assez long. Non! Mais pourquoi tu fais ça? Et là, je vais ici. Ok. Par contre, ils ont mélangé Seaside Hill et Ocean Palace, donc non, non. Wow. Ok. Bah. Wow! Mais... Oh, mais... C'est quoi ce bordel? Tu vas monter? Quoi? Mais genre... Ouais! Non, non, te reste pas là-dessus. Mais, oh là là. Oh, j'ai loupé! Bon, maintenant on sait que ça, c'est en 3D, on sait pas pourquoi. On ne tombe pas comme une merde, s'il vous plaît. En tout cas, ça fait plaisir de rejouer à Sonic Heroes. Bah. Meilleur jeu, quoi. Je sais qu'il y a des jeux comme Sonic and the Black Knight ou Sonic Lost World qui ont fait un gros bide. Je suis désolé, mais Sonic Lost World, ça coupe...
Ça copie juste Mario, hein. Je suis désolé, mais bon. C'est Mario, mais en pourri. Ah, mais non, mais c'est nul, hein. Le jeu est vraiment pourri. Ah oui, Sonic Lost World, il n'y a pas pire, hein, honnêtement. Oh, je vais tomber. Et carrément à côté. Bon, bonne baignade. Je sais que Sonic n'aime pas nager. Parce qu'il ne sait pas nager. Ouch. Hop. Je m'en fous, hein. J'ai gagné un truc, mais je m'en fous totalement. Oh, mais attends, c'est le niveau de... C'est le tuto de Sonic Heroes? Non, non, c'est pas lui. Waouh! Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Il danse la Java ou quoi? Et dire qu'avant, quand tu faisais les 3 bumpers, tu gagnais des upgrades. Parce que sur Sonic Heroes, il y avait des upgrades aussi. Oh non, pas la voiture! Non! Oh non! Ça pue la roue quand même, hein. Oh! Ah, on s'en rappelle de la voiture de Rai Canyon, hein. Bien chiante, hein. Ouais. Et c'est par où la suite? C'est par là? Ah, mais non! Moi, je veux un niveau avec Rai Canyon, hein. Oh, putain. Et maintenant, je fais quoi? Je suis pas censé être là de base, hein. Si, défonce! C'est Knuckles qui est censé faire ça, pas Sonic, n'importe quoi! Mais non! Non mais moi je trouve que Sonic il est devenu un peu trop parfait et du coup les autres ne servent plus à rien. C'est dommage, parce que Sonic Génération justement Sonic ne pouvait que faire du speed. Parce que maintenant aujourd'hui il est capable de détruire des rochers à main nue alors que normalement c'était Knuckles qui devait faire ça. Moi je trouve que maintenant Sonic il est tout seul, il a même plus d'amis, ses amis ne servent plus à rien. Bah vous voyez la princesse Peach et Mario? Bah c'est pareil avec Sonic et ses amis, sauf que Peach... Ben, c'est Rose, c'est Knuckles, c'est Tails, c'est tout le monde, sauf Sonic, quoi. Moi, je trouve que Sonic, il est devenu trop parfait et c'est dommage, quoi. Ben, je regrette le Sonic Heroes, le temps où Sonic ne savait pas tout faire. Parce que maintenant, Sonic, il est capable de tout. C'est ça que j'aime pas trop chez lui. Oh, merde, en plus, c'est même pas des rails, quoi. Oh, les roues! Il y en a partout! Oh my god! Wow! Purée, c'est quoi ce merdier? J'ai plus rien! J'ai plus de rien, je vais mourir! Wow! Yes! Et le ring en fin d'étape! Ça y est! Oh! Honnêtement, j'ai galéré, mais j'ai adoré ce niveau parce que c'était du Sonic Heroes. Et en plus on débloque Espio, putain on se rappelle de toi et tes missions à la con sur Sonic Heroes. Tes missions, Et surtout les combats, j'adore n'importe quoi les combats. J'adore taquiner les amis qui viennent de n'importe où. C'était tellement du gros n'importe quoi. On va détruire le Time Eater, c'est tout. Oui, parce que vous ne savez à rien. Le scénario m'a dit Sonic est le meilleur. Tails ne sert à rien.
Ok, super. Ah, Espio! Le petit ninja! Attends, on se rappelle tellement de ces conneries qu'on faisait avec dans Sonic Heroes. Il faut un sacré méchant pour attraper un ninja. Reste sur tes gardes, Sonic. On se rappelle tellement de cette voix, c'est la voix du. Je crois que c'est la voix du vice-président aussi de Sonic X, c'est n'importe quoi. Je sens les ténèbres autour de cet ennemi. Toi tu le ressens, mais nous on le voit, tu vois. Pas pareil. Ah oui, les défis. Bon. Il reste un défi à relais. Ouais. Attends. Ici, il y a le portail de boss, c'est ça? Ouais. Alors écoutez, on va faire trois défis. On a le temps encore? 5 minutes. Ouais, on a le temps. On va faire... ça c'est quoi? C'est... avec rouge, c'est voler, je pense. Donc vas-y, moi je dis on fait. Charme les ennemis? Non. Quoique... C'est quoi ça? The fuck? Mais non! On fait celui-là. Comme ça, on a une clé. Je croyais qu'elle pouvait voler. What the fuck? Au pire, on peut les skip ceux-là. Hein. Oh non, faut les tuer. Bah, mais what the fuck? What the? Ok, c'est tellement con. Oui, merci Iris. Bon, on va passer à gauche alors. Je préfère plutôt la gauche. Mais pourquoi tu fais ça? Mais je suis débile ou quoi? Ah oui, mais les morts cons comme ça, vous allez en avoir, mais à l'appel, hein. D'accord. Doucement. Évidemment, ils en ont mis partout, hein. Depuis quand un robot, ça tombe amoureux? Putain, mais le pouvoir de l'amour, mais rouge, aide-moi plutôt à... Fais-moi plutôt voler! Fais-moi plutôt voler, bordel! T'es une chauve-souris, t'es pas là pour charmer! Ça, par contre, c'est n'importe quoi, hein. Et merde. C'est n'importe quoi! Putain. Regarde-moi ça, quoi! On dirait plutôt une allumeuse! Si c'est juste ça le niveau, c'est nul! Ah bah oui, des lasers, hein! Mais oui, des lasers! Regarde, mon pouvoir de l'amour, il sert tellement à rien! Quoi? Regarde. Pouvoir de la... Mour. Ok, d'accord. Bonjour, au revoir. N'importe quoi, ce pouvoir! Charmer les ennemis, mais
Qu'est-ce que vous avez trouvé d'aussi con? Putain, mais... C'est comme si tu disais que Omega était amoureux de Crime, quoi. J'ai jamais rien vu d'aussi con. Bon, bah... Oh, oui, déjà. Bon. Ah, oui, d'accord. Ok, super. Pouvoir de l'amour. Oh, mon Dieu. What? Lâche! Oh merde. Purée! C'est pas vrai! C'est tellement n'importe quoi ce pouvoir. Rouge est devenue une allumeuse. En même temps, elle faisait ça dans Sonic X, donc bon. Bah, elle charmait quoi, le président? Non, non, c'était la militaire là. Jade. Ça s'appelait Jade ou Topaz? Mais ah, t'es sérieux? Merci! Je trouve ça inutile. Là, dégage! Mais je peux pas. Pourquoi je peux pas tout simplement leur foncer dessus? Ah oui, d'accord, super. En fait, aller trop vite, c'est aller mourir surtout, ouais. Putain. Et en plus, j'entends ce bisou à chaque fois, mais... Oh, tu es moi, je peux plus voir ça. Tu veux pas me servir à voler, plutôt? Qu'est-ce qu'ils ont fait de rouge? Mon Dieu! Elle était cruelle et sans pitié avant, du moins elle était plutôt avec Shadow uniquement. Et là c'est le pouvoir de l'amour! Mais what the fuck? Je vous fais plein de gros bisous les robots, je vous fais plein de gros bisous, regardez! Regardez, c'est tellement beau. Oh là là, regarde, tu as un pouvoir de l'amour. C'est tellement n'importe quoi. Il faut bien trouver quelque chose à faire, dis donc. C'est tellement n'importe quoi, ce niveau. Oh là là, regardez-moi ça. Je crée une pyramide pour monter jusqu'au Gold Ring en utilisant le pouvoir de l'amour. Mais mon Dieu. Rose, enflamme les boîtes de nuit. Rouge. Rouge, enflamme les boîtes de nuit. Eh ouais, c'est clair. Oh non, Sonic Boom, c'est... Non, j'ai pas aimé Sonic Boom. Non. Surtout le Lost World. Lost World, c'est une copie de Mario Galaxy, c'est dégueu. Dégueulasse. On va faire le moins chiant, tiens. Maître du camouflage. Affronte-le et atteint l'arrivée à temps. Non, merci.
Allez, vas-y. Je sais comment faire pour l'attaque rodéo. On casse tout! Y'a rien? Y'a pas les flics! Ça non plus, ça n'existait pas avant. Oh, doucement! Ça va, il est simple le niveau. Oh là. On va attendre que celui-là il s'en aille. Voilà. Quoi? Ah, c'est pas par là, il fallait monter. Ah merde, il y avait une bombe. Bon, il est simple, hein. J'ai même un S. Allez hop, super. Donc j'ai la clé. J'ai... Au final, j'ai deux clés du coup. Puisque l'autre, je la récupère à la fin. Je sais pas pourquoi j'essaie de récupérer, mais bon. T'as les musiques qui changent comme ça. City Escape. Tant que c'est pas deux défis, ça va. Crime. Coup de main. Les seuls rings que celles que Crime jette. Sont celles que Crime jette. Attends l'arrivée à temps. Ouais, vas-y, allez. Elle jette juste des rimes, des rings. Parce que vu que t'es un personnage inutile, bah on va pas te donner un meilleur rôle. Bah oui. Putain, je défonce les bagnoles, mais what? Dégage! Destruction! On dirait Die Hard, quoi. Le Die Hard sur PS1, vous savez, avec les nuages de destruction ou de je sais plus quoi là, c'était what the fuck. Dégage! J'aime pas ta Volvo! Moi, je veux que des Peugeot. Destruction. Wouhou. Un trou. Bien. Non, j'ai loupé. 1 minute 30. Ok, bah ça veut dire qu'on arrive au goal ring en fait. Oh, j'aime pas ce truc. On peut pas juste passer à côté? Ah bah non, évidemment.
Si, on peut passer à côté. C'est un peu dangereux, mais on va essayer. Oh bah non. Oh fuck. Récupère le ring. Wow. Plus vite. Il y a des scies dans les escaliers maintenant. Ah bah putain, j'irai plus jamais au parc. Hein. Ah, j'ai oublié d'appuyer sur Y, enfin sur croix. Triangle, chez moi c'est triangle. Ok, d'accord. C'est gratuit! Ouais! Ah non, j'ai raté. Oh, c'est désespérant. Bon, j'aurais peut-être pas dû, parce que du coup, je l'ai quand même récupéré. Oui, oui, merci. Et maintenant, tu me dis, va te faire foutre. Ah bah, merci, hein. C'est beau, les enfants, hein. Qui a eu l'idée d'installer des pièges dans ce parc? Et sinon la fin elle est quand? Ah bah voilà, j'ai ma réponse. Merci, je veux la clé, je me barre. Putain, heureusement que c'est que un défi, quoi. Pouh. Attends, imagine, il faut faire plus de défis, quoi. Reviens ici! Oh, Shadow! Shadow! Viens ici! T'as une émeraude! Bah ouais, attends, t'es où? Ah ok, d'accord. Raté. J'essaye d'y aller. Ah, j'ai raté. Il a une émeraude à te donner. Donne-la-moi. Attends, on va réessayer depuis là-bas. En tout cas, c'est la fin de cet épisode. Hein. J'espère que vous avez aimé. Parce que moi, honnêtement, je raffole de ce jeu. Il est super. Bon, par contre, j'arrive pas à monter là. C'est quoi le bordel? Bon, bref. Vous savez quoi, on va se retrouver dans le prochain épisode. Et moi je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous avez aimé, si vous en voulez toujours plus. Et moi je vous dis bye. Allez, ciao tout le monde.